L'arbitre du match, Monsieur Franz, qui regarde sa montre. Et c'est parti! Oliverton. Oliverton. Il passe un défenseur. Hatton, deux défenseurs. Oui, Oliverton, trois défenseurs. Il attaque. Mais que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Il va faire un tir du tir, attention! Mais non! Il repart en arrière! Mais c'est terrible! L'arbitre laisse jouer! Il refait tous ses adversaires. Oliverton tout seul. Il redrible tout le monde. Tout seul. Et oui, un défenseur. Feinte, la feinte. Mais que dit l'arbitre? Il arrête le jeu. Il sort un carton jaune. Non. Un carton rouge. Non. Un carton orange. Les supporters oubliés sont nombreux. Pyramide pour Oliverton, allez! Ils appellent les docteurs! Les docteurs arrivent! On dit qu'il n'a rien! Mais c'est très grave! Les docteurs doivent opérer, il saigne du bras! Il saigne de la jambe! Mais il saigne de la tête! Il n'a rien! Va-t-il s'en sortir? Les médecins font tout pour rétablir ce grand homme qu'est Oliverton. En tout cas, le pénalty sera sifflé. C'est donc un pénalty. Est-ce que Ed Warner, le gardien, réussira-t-il à rattraper la balle? On dit de lui qu'il est fort, qu'il bondit comme un guépard. Tous les espoirs reposent sur lui maintenant. Revenons sur l'état du PC. Les supporters sont inquiètes. L'arbitre envoie les supporters. Les médecins relèvent le joueur. Ça va plutôt bien. Et qu'est-ce qu'il y a-t-il? On lui met des lunettes. Mais il va tirer ses pénalties quand même, c'est fabuleux. Le gardien est prêt. Les supporters bougent. C'est donc le pénalty. La balle est sur le point de pénalty. Le tireur se concentre. Il est aveugle, comment va-t-il faire? Il s'élance, il s'élance. Va-t-il faire son fameux tir de l'aigle? Quelle frappe magnifique! Elle va sur le cadre, elle tourne à gauche, Floris Supportrice va-t-elle revenir dans le but? La balle, la balle! Le gardien plonge avec toute l'énergie du désespoir, va-t-il la voir?